attendez. Fameux Birdie. J'espère que t'as une bonne raison pour m'avoir traîné jusqu'ici. Eh, je suis là pour offrir mes services. Ce kidnapping que vous préparez, je crois que vous mesurez pas vraiment l'adversaire qui vous attend. Ça alors, tu t'inquiètes pour moi. Laisse-moi voir de plus près si ton visage m'inspire confiance. Dom est mort. Un petit cadeau du chauve. Ça veut dire qu'il vous faut un nouvel agent de liaison. Et qui serait mieux placé que moi pour ça ? J'ai pas raison. Non, Birdie, t'as pas raison. Tu vois, j'ai déjà la fille. Ce qui veut dire que j'ai pas vraiment besoin de toi, pas vrai? Attendez, pas la peine de s'énerver, je vous en prie. Écoutez, vous comprenez pas? Vous voulez le plus offrant? Alors laissez-moi m'occuper de la transaction. C'est ma spécialité. Birdie, tu crois que je suis pas capable de retracer tes appels sur ton portable, hein? Ah, une magnifique journée, non? Birdie, qui c'est... Ah, comment elle s'appelle déjà? Jade. Qui c'est, Jade? Allez vous faire foutre! Mauvaise réponse. Ah, j'adore ce pays. Un homme peut accomplir tout ce qu'il veut à condition d'avoir un cerveau et des coronets. Ok, c'est une nouvelle recrue, l'agence. L'agence? T'es en train de me dire que l'agence est liée à Victoria? Ouais! Relâche-le. Ces gens sont vraiment dangereux. Si vous les cherchez, c'est eux qui vous trouvent. Mais si vous me laissez jouer les intermédiaires, réfléchissez, puisqu'elles comptent assez à leurs yeux pour qu'ils envoient leurs tueurs. Ça veut dire qu'elle vaut des millions! Des millions! Je vais tenter ma chance. Tu peux y aller, Birdie. Tu m'as été très utile. Mais si je revois ta tête de sale fouine, je me ferai un plaisir de t'enterrer aux côtés de nos pères fondateurs. C'est une promesse que je te fais. Et je tiens parole. C'est fini. Tu crois pouvoir me garder comme ça? Tu vas le regretter, crois-moi. J'ai une surprise pour toi. Ouais. En fait, j'ai une surprise pour tout le monde. Partie 2, Welcome to Hope. Ok les gens, bah écoutez, c'est dans une ambiance saloon, western, qu'on... continue ce let's play de Hitman Absolution. Ça fait très longtemps que j'ai pu jouer à Hitman Absolution et ça fait très longtemps que j'ai pu continuer ce let's play. Alors, par quelle sortie va-t-on nous échapper maintenant de ce merdier?
C'est la question que je me pose à l'heure actuelle. Bon, et s'il y a deux gardes? Ça, c'est quoi? C'est... les toilettes. C'est le mec qui... le mec assez louche qui espionne quand l'autre y pisse. Oh là là, c'est dégueulasse. Bon. Donc ici, je pense qu'il faut faire quelque chose. Au moins que ça soit de l'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté, donc... à mon avis, c'est tirer le levier. Ouais, à mon avis, on doit tirer le levier ici. On va le faire. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu cherches, étranger? Les emmerdes en... Sale enculé de fils de pute! Tapette de motard! Qui c'est que tu traites de tapette? Ok, donc on a créé une émeute, hein, je n'en fais pas de bonne, je sais. Ok. Ok. Allez. Allez! Voilà! On est parti. Voilà. C'est bon, toi, on va te régler ton compte vite fait, bien fait. Voilà. C'est parti. Ici, il y a encore des bagarres. Maintenant, c'est séance fight hein, dans cette vidéo-là. Ceux qui n'aiment pas Street Fighter, ils vont être déçus. Un Street Fighter. Je cite un genre du combat, mais je peux citer d'autres genres de jeux de combat. Et bien évidemment, ce n'est qu'un exemple. Un Tekken... Je pense que vous les connaissez à peu près. Bon. Ok. Bien sûr, la foule qui encourage la fight. Hein. Voilà. Bande de dégueulasses, vous aimez bien hein, vous battre. Ok. Là. Voilà. Et je sais pas, ils sont en train de se battre, et il faut absolument qu'ils se retournent contre moi, hein. Vraiment. Voilà. On est enfin sorti de cette émeute. Parler au barman. Pique à facture, c'est quoi ça? Ouais. Pique à facture contre bouteille. Empêche ça de faire mal, pique à facture. On va parler au barman. C'est ce qu'il faut faire, mais... ouais, ok. Hey, du calme, je bosse ici, ok? Me tuez pas, j'ai pas choisi de bosser ici. Chez le barbier! Tous les jours, midi pile! Salut, mec! Alors, la vie à la campagne, les ploucs sont gentils avec toi? Quand t'auras le temps, tu passeras à l'armurerie de McGarmond. Je t'ai fait livrer un petit cadeau. Bah écoutez, cette mission a déjà fini, hein. Assez courte comme mission, mais bon. Bienvenue à Hope, c'est fini. Malheureusement. Enfin, malheureusement, entre guillemets, parce que ça a été assez court. Mais je pense que je vais pas m'en arrêter là, parce que je trouve que c'est assez court comme vidéo. Donc on va faire l'autre épisode qui est après. Donc, 7000. On a eu que 7000. D'accord. C'est pas beaucoup, 7000. Continuer. Allez. Voilà. Monsieur, il faut que vous voyez ça. Monsieur, il faut vraiment que vous voyez ça. C'est un cadeau. D'une vieille connexion. En fait, il avait disparu depuis quelques années. Nom de code, Birdie. Avec un nom pareil, c'est vraiment pas étonnant qu'il ait disparu.
à Birdie ce qu'il demande. Trouver 47 à tout prix. Partie 2. Birdie's Gift. Petit flag. Ils sont à moi. Alors vous devez avoir la facture. Je pourrais aussi les prendre. Vous avez pas la tête d'en faire. Ce ne serait pas du vol. Bon, écoutez. Je voulais voir si vous êtes capable de tirer mes petites filles. Vous croyez que vous tirez mes petites filles? Ça dépend de la fille. Quelle amitié vient de servir à côté de ma petite Lily? Ok, ben on va voir ce que l'agent 47 vaut, enfin ce que je vaux, hein, on tire. Donc notre but c'est d'obtenir les Cyber Bowlers, donc les deux petits flingues qui sont ici. Mais pour les obtenir, on doit battre la fille, hein, comme a dit celui qui parle avec un microphone sur sa gorge. Allez. Hey, salut Cowboy. Il paraît que vous voulez vous mesurer à moi. Ok, avancez, prenez l'arme que vous voulez dans le magasin. Quand vous serez équipé, revenez me voir. Et là, on passera aux choses sérieuses. Vous en faites pas pour les munitions. Tant que vous jouez avec moi, ce sera crédit illimité. Oulala. Les choses sérieuses, jouer avec elles. Je commence à avoir peur là, genre. Non, sérieusement. Il y a que les petits pervers qui pensent comme ça. Et j'en fais partie. Bref, bon. On va choisir une arme. Elle m'a l'air pas mal celle-là. HX AP15. Allez, on va essayer. Si ça ne va pas, on en prendra une autre. Et voilà. C'est tout. Ok, c'est parti. Voilà, participer au concours. Allez. On doit faire un meilleur score que elle, apparemment. Allez! Là. Là. Ok, c'est bon jusque-là. Pas tout le temps. Voilà, ça c'est bien ça. Oh, joli, joli. Je suis en forme aujourd'hui, je suis en forme. Ouais. Bim, 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 bim. Ouh, joli, joli, joli. On a un caïd dans la place, les amis. Arrête ! Caïd ! Caïd dans la place, vas-y, mec. Ouh, joli, joli. Ok. Je vais la battre. Allez, hein. Tu te fais bien faire. On va charger. Évidemment, quand il faut de l'instinct, j'en ai plus.
pas que je loupe mon coup là. Voilà, je l'ai déjà battu là. On va essayer de faire beaucoup mieux. ...513, bon... C'est pas mal, c'est pas mal. Y a mieux, mais bon. J'aurais pu faire mieux. Vous m'avez battu à la loyale. Bon, ils sont à nous maintenant. Ils vont être à nous. Alléluia. Alléluia. Ok, il a vraiment la classe, hein, notre agent 47 avec ses Silver Bullers. Là. Silver Bullers acquis, ok. Donc là, on va rejoindre la sortie. Ok, ouais. Ça serait bien qu'on prenne des armes, si vous le savez. Ok. Ouais. Donc on peut pas. Bon, on a pris le la AAX HX. Je ne sais pas trop quoi qu'on a utilisé au centre de tir. Allez, au centre de tir. Ouais, je pense que c'est ça. Et là, on a fini l'épisode, le cadeau de Beardy. Donc on a fait les deux épisodes. J'espère, mes amis, que cet épisode vous a plu. Écoutez, je pense que l'épisode suivant sera de meilleure qualité, déjà parce que je n'ai pas encore mon nouveau micro. Et aussi, sera certainement plus long, hein, parce que je pense qu'il sera certainement plus long. Une simple intuition. Voilà. Voilà. Mais écoutez, nous on va se retrouver, ben, je ne sais pas, pour une prochaine vidéo, mais je sais pas encore laquelle. Peut-être du Sniper Ghost Warrior, ouais, sûrement. Moi je vous dis à la prochaine, salut.